bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bon. On est finalement sorti. On n'est pas sorti du bois. Ouais, Zoé est sorti. Je sais pas si je peux là. Ouais. J'ai sorti Zoé, elle a son petit manteau. Et on va pas sortir trop longtemps aujourd'hui là parce que avec les gars là, c'est belle son petit manteau. C'est Zoé. C'est sa première sortie depuis son opération. Je sais pas si tu peux voir, elle a encore pas gros de poils là. Tout ce qu'ils l'ont rasé sur le ventre. Fait que c'est pas ça que j'ai mis son manteau, il fait beaucoup beaucoup froid. Mais moi j'ai pas froid. Je pensais d'avoir froid là, parce que je m'étais habillé pour m'en aller au pont de grand. Mais on va faire twister. Bon. Fait quoi, ouais, c'est ça? Ça va bien sortir à Zozo aujourd'hui. Je voulais pas l'apporter, je trouvais qu'il faisait trop froid. Mais oui, attends une minute là. Elle descend des côtes plein de glace. Avec. J'ai pas mes bâtons, ça t'attache après mon sac, c'est pas trop commode. Fait que je vais l'emmener demain. On va y aller demain aussi. Attention, Zo. Là, comme ça, on était juste à Rigaud. C'est pas ma. C'est le sentier coureur de bois, mais. J'ai pas parti où ce que je pars d'habitude, parce que je trouve que c'est. Comment je pourrais dire? C'est une perte de temps. Là. Il y a une partie du sentier. Viens ici, Zoé. Une partie du sentier. Quand on part proche du village, que je trouve que c'est juste inutile. Là, parce que c'est pas dans le bois. Ben, c'est dans le bois, mais c'est... Je sais pas. C'est pas aussi beau qu'ici. Ici, c'est la partie que j'aime le plus du sentier coureur de bois. Il y a beaucoup, beaucoup de... Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be ice everywhere. La glace partout. Je sais même pas où passer. Surtout quand on a eu une commotion. J'ai eu une commotion cérébrale. Deux fois là. Dans une couple de mois. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on va passer par là. Là, c'est des gens à raquettes, je crois, qui ont passé. On va espérer que c'est correct pour les crampons. Ça ne tente pas de défoncer. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bonjour. Bon, Zoé et moi, on a fini notre petite randonnée à Rigaud. On est dans une petite, un petit refuge, là. Pas une place pour dormir, là, plus pour se reposer. Zoé, ici! Ici, Zoé! Bon. Fait que,
On va récapituler un peu. On va essayer, là. C'est tout sur le bras. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 30 septembre? 30 septembre, on était en mountain bike. J'ai tombé. Je m'ai fait une commotion cérébrale. J'ai eu des séquelles mandaires au moins un mois et demi. Peut-être un petit peu plus. Fait que j'ai pas pu vraiment sortir. Puis faire de trous de randonnée. J'y étais, mais c'était pas rien de grand. Après ça, je vais faire visiter de Alfred Bog. Je sais pas comment on dit en français. Puis c'est juste une petite chose de rien, mais j'ai arrêté pour prendre une belle photo. J'ai pris une belle photo, mais j'ai tombé encore, j'ai frappé ma tête. Fait que j'étais encore pour un 3 et quelques semaines, là, que j'avais encore des séquelles de ça. Après ça, le 28 novembre, c'était la fête à mon mari. Puis mon Zoé a été malade, vomissait toute la nuit, elle était déshydratée. On était vétérinaire, ils ont pris des tests de sang, tout était beau. Alors la seule chose qui restait, c'est qu'elle avait mangé de quoi qui était bloqué, fait que on a fallu la faire opérer d'urgence au DMV à Laval, non à la Chine, excuse. Fait que elle était en convalescence pour un bon mois et demi. Ben oui, on est rendu le 7 janvier. C'est sa première randonnée, là. Ben, juste pour faire certain là, que tout est bien, là, je l'ai attendu. Puis aujourd'hui, je l'ai pas vraiment l'emmené parce qu'il faisait trop froid. Mais elle faisait tellement pitié. Fallait vraiment là, que je l'emmène. Faut la mettre dans la cage quand on part, juste au cas qu'elle emballerait quelque chose qui va se bouser encore. Là. Fait qu'on était un petit peu stressé pour ça. Fait que elle voulait pas rentrer dans sa cage du tout. Elle me regardait pas, elle se revirait le dos. J'avais pas le choix de la porter. Fait que c'est pour ça que je lui ai acheté un petit manteau. Là. Elle a pas l'air d'avoir froid du tout. C'est parce que quand ils l'ont opéré, ils ont tout rasé le bas du corps, comme tout le ventre, tout là. Puis elle a quasiment pas de poils. Fait que je pensais peut-être qu'elle aurait eu froid. Mais elle semble correcte. D'abord que dans la nature, là, je pense que ça guérit tout, hein. Après ça, pas longtemps après ça, je dirais peut-être 2 semaines après ça, je m'ai fait mal au dos au travail. Même encore, j'ai encore mal, là, mais coudon, on peut pas faire grand-chose. Fait que là, ça, par la suite, ma grand-mère est décédée, puis on vient juste là, de tout faire les choses de funérailles et tout ça. Là. On vient juste, puis là, mais il y a eu Noël, puis les fêtes, puis tout ça, fait que on n'a pas pu sortir. Fait qu'aujourd'hui, c'était la première journée. Ah oui, puis j'ai eu un rhume, un gros rhume, pendant que j'étais en congé de commisération. Fait que j'ai pas pu profiter de, tu sais, un petit peu venir faire une petite randonnée, quelque chose. Je filais pas vraiment. Fait que là, par contre, on va se reprendre, il n'y a pas de danger. Aujourd'hui, je suis ici. Demain, je veux aller à Montebello. J'ai, en allant à un party du jour de l'an, sur le côté à mon mari, on a été, c'était dans une cabane de boiron à Montebello. Puis j'ai vu à côté, il y avait des sentiers de raquettes. Fait que on s'en va là demain, moi et Zoé, on s'en va là demain. À la fin du mois, on s'en va. Je suis tellement excitée, là, c'est même pas drôle. Je suis tellement en manque d'aventure, là, ça n'a pas de bon sens. On s'en va à la fin du mois, on s'en va au nord de Rawdon. Ça s'appelle les Tipis du Sommet. Puis on va monter une montagne, puis coucher au sommet de la montagne dans un tipi. Il y a des sentiers de raquettes et tout, fait que ça va être le paradis pour moi. Il y en a que c'est sud, moi c'est ça qui est le paradis, tu sais. Puis pour ma fête, qui va être dans le mois de février, 18-19 février, je plane d'aller coucher dans les cabanes, dans les arbres à Tremblant.
On l'a été visiter, on l'a campé au camping là-bas cet été. Mais quand j'ai vu les refuges perchés, je m'ai dit, ça, c'est pour l'hiver. Tu pars le petit feu de camp, là, le petit poêle à bois, je devrais dire, peut-être un feu de camp aussi. Là, mais... Puis on a le droit aux chiens dans les deux endroits. Alors, on va emmener Zoé et probablement Marley aussi pour les deux aventures. Puis aussi, j'ai une place que je veux aller, c'est aux chutes à boules. À la chute à boules, il y a un beau refuge là-bas, puis j'aimerais bien y aller au moins pour une nuit. Pas deux nuits, là, mais une nuit. C'est que ça, c'est nos plans pour là, immédiat. Et beaucoup plus à... dans le futur, je vais aller camper là, vraiment dans une tente à l'hiver. Là. Je vais aller faire ça pour la première fois cette année. On est, je m'ai tout équipé, là. J'ai toutes les choses nécessaires, à part d'une tente d'hiver, mais c'est pas nécessaire. D'après qu'est-ce que j'ai mes recherches, c'est pas nécessaire d'avoir la tente d'hiver. C'est ça. Pas là. Fait que demain, je vais probablement faire une autre vidéo pour vous montrer cet endroit-là que j'ai pas été encore, mais... j'ai bien hâte d'aller voir. Fait que à la prochaine, les amis. Zoé ici.